Allez, approchez. C'est échappé d'un cirque ou quoi? Vous avez la possibilité de... Il va finir par... Hé hey! Ne m'oblige pas à intervenir! Non! Reculez! Arrêtez! Aucune loi qui interdit ce genre de comportement. Oh. Fermo. Vous devriez mieux traiter vos amis, très cher. Je suppose que vous ne l'avez pas fait exprès. Bene, bravo. Des déchets dans son genre. On s'en débarrasse. Chose, vous ne croyez pas?
Omnium. Allez, là-bas. Ne le quittez pas. Il s'est échappé. Le passé. Un vaste réseau où tout est interconnecté et gouverné par le hasard. Aspetta. Yeah!
Le pouvoir ne meurt pas. Je ne fais que passer. Je ne sais pas ce qui se passe. Oh, je ne reste pas là. C'est hors de question. C'est de la folie. Ils ont tous perdu la tête. Je rentre chez moi. Thank you.
suis qu'un humble citoyen. Je vous en prie. N'approchez pas, créature. C'est super. Bonjour. Il devrait aller soulager. En effet, un des membres de cette corporation s'est plaint des services de cet établissement et n'a toujours pas obtenu réparation. Qu'est-ce qu'il a ? Quand j'avais 6 ans, je suis tombé dans l'Arnaud. Très vite, j'ai été entraîné vers le fond et vers les ténèbres. Je voyais ma fin approcher. Quand j'ai repris connaissance, ma mère était en pleurs. Un étranger se tenait près d'elle, trempé, un sourire sur les lèvres. Elle m'a dit que cet homme m'avait sauvé. Depuis ce jour, une amitié profonde et durable lie nos deux familles, la tienne et la mienne. Je regrette de n'avoir pu sauver ton père et tes frères. Vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Jacopo De Pazzi semble impliqué dans leur mort et dans ce qui vous est arrivé. Il faut que je le trouve. Nous n'avons pas pu l'arrêter. Ce lâche s'est enfui. Avez-vous une piste ? Non. Ils ont tous disparu. Tous ? Jacopo n'est pas le seul conjuré à s'être échappé. Si Jacopo avait des complices, alors eux aussi sont impliqués dans le complot qui visait ma famille. Donnez-moi leur nom. Antonio Maffei. L'archevêque Francesco Salviati. Stefano Tabagnone. Et Bernardo Baroncelli. Bene. Je vais trouver mon oncle. Il a des hommes postés partout dans la campagne. Attends, avant de partir. Une page du codex ? Je l'ai prise dans les affaires de Francesco De Pazzi. Il est clair que cela ne lui sera plus d'aucune utilité. Les documents et les objets anciens m'ont toujours fasciné. Comme il fascinait ton père. Je m'y intéresse beaucoup, moi aussi. Alors je t'en fais cadeau. Puisse le Seigneur tous nous protéger. What?
Il est là. Allez-y. Il est là. Allez-y. J'avais des problèmes de... Allez, reculez. Ça ne vous concerne pas. Kane. Ezio, Dieu merci, tu vas bien. Ce qui s'est passé entre les Medici et les Pazzi, c'est pour ça que tu cherchais Francesco? Pas exactement. Ah, peu importe. Grâce à toi, la cité a retrouvé son calme. Mais dis-moi, de quelle façon puis-je t'aider? Ah, une autre page. Le codage utilisé n'a pas changé. Ce ne sera pas long. Fascinant. Ça alors, je vois... Ce sont les plans d'une autre lame, qui injecte du poison. C'est dans tes cordes? Oui, ça ne prendra pas longtemps. Il faut seulement que je trouve un moyen de creuser la lame, sans endommager le... C'est bon, Leonardo. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Ça y est. J'ai rempli ta lame avec une petite quantité de poison. Pour la recharger, va trouver un médecin. Du poison? Chez un médecin? À forte dose, ce qui peut guérir peut tuer. Mon ami, je te suis une nouvelle fois redevable. Ce n'est rien, Ezio. C'est normal. Eh bien, qu'avez-vous, mon ami? Voilà, vous serez vite guéri. S'il vous plaît, fichez-moi la paix. Je vous ai rien fait. Aspetta. Thank you.
messieurs, deux artistes. Approchez, mes amis. Je vends tous mes articles à vous. Je t'en prie, approche. J'ai quitté Florence à la demande d'Il Magnifico pour m'occuper d'une affaire non réglée. Je dois trouver Jacopo de Pazzi. Ah, toi aussi. Nous l'avons cherché sans succès. J'ai ici quelque chose qui devrait nous aider tous les deux. La liste de tous les conjurés. L'un d'eux parlera forcément avant de mourir. Excellent. Les complices de Jacopo ne peuvent plus compter sur ce dernier pour les cacher. Nous les trouverons sans coup férir. Je vais demander à mes éclaireurs de partir sur le champ. Merci pour votre aide, mon oncle. Tenez, j'ai également ceci pour vous. D'autres pages du Codex. Ah, voyons ce qu'elles nous apprennent. Comment ça? Quel prophète? Vous avez trouvé quelque chose? Encore une de ces maudites énigmes. Ce texte ici peut se traduire par « Seul le prophète saura l'ouvrir ». Il fait référence à deux fragments d'Éden. Ces pages n'apportent aucune réponse, Ezio. Tu dois en trouver d'autres. Il nous manque encore des éléments. Je crains de devoir m'y atteler plus tard, mon oncle. J'ai une autre mission qui m'attend. À ta guise. Ceci étant, si tu as l'intention d'affronter ces traîtres, tu devras d'abord apprendre deux ou trois choses. Retrouve-moi sur la place d'armes. Dis-moi, Ezio, tu as déjà appris à contre-attaquer. Mais que faire si ton adversaire a lui aussi recours à cette technique? Je fais toujours en sorte de ne pas lui en laisser l'occasion. Ne présume pas de tes forces. Contre les Templiers, il ne faut rien laisser au hasard. Puisque vous le dites, maestro, montrez-moi ce que je dois faire. Puis esquive. Bene, bene! Allez, recommence! C'est beaucoup mieux. Une dernière fois. Bravo! Voilà, essaie de le refaire! Encore une dernière fois, Ezio. Magnifico! À vrai dire, je n'en attendais pas moins de toi. Signore, ça y est. Nous avons trouvé les hommes de Jacopo. Vous n'avez qu'un mot à dire. Que ce soit bien clair. Personne ne bouge tant qu'Ezio ne leur a pas parlé, compris? À vos ordres. Pars, Ezio. Va rejoindre mes hommes dans la campagne. Les complices de Jacopo te mèneront peut-être jusqu'à lui. Mais sois prudent. Ils seront aux aguets. Buongiorno. Salute, Serezio. Voulez-vous consulter les tarifs? Bon voyage!
mois dernier. À lui seul. Ne dit qu'on t'a... Vous cherchez quelque chose ? Eh bien, qu'avez-vous, mon ami ? Ne cherchez plus. Andiamo! Le voilà! Là-bas! Te voilà. Ça y est. Nous avons trouvé Stefano da Bagnone. Tu n'as qu'à suivre ce chemin, il te mènera jusqu'à l'abbaye où il a trouvé refuge. Attends, avant de partir, prends ceci. Tu pourras t'en servir pour faire diversion. Merci, mon ami. Protection divine, si vous croyez que votre seigneur s'intéresse à nos petites affaires. Alors vous, là-bas, quoi là-bas, là-bas c'est qu'est-ce lui, que tu veux? Es-tu mon allié ou mon ennemi? Voici venir l'heure de vérité. Où est Jacopo? De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Ils se réunissent dans l'ombre des dieux romains. Sois libéré de tes craintes. Requiescat in pace. Ezio, par ici. Ne soyez pas timide, je suis là pour vous soigner. Nous avons trouvé l'archevêque Salviati. Il s'est barricadé derrière les murs de cette villa.
Emmène quelques hommes. Ils élimineront les gardes. Ensuite, escalade les murs et trouve un moyen d'ouvrir les portes. Ah, je commanderai ma propre armée. Jusqu'ici, j'ai toujours agi seul pour éliminer mes cibles, ça va me changer. Ça me plaît. Très bien. Où est-ce que j'ai déjà vu ? Consacrez-moi la capuche ! Il faut les occuper. Qu'est-ce que tu as fait à ma sœur ? J'ai toujours détesté ces moments-là. Est-ce que j'attaque ? Est-ce que tu attaques ? Par ici. Je devrais partir. Ah. Ah. Ils auraient pas de nous. Ils auraient détalé. Juste d'arriver. Il est temps de voir si les gardes savent se battre dans ce couloir. Ouvrez celui-là. Je t'avais dit de ne pas approcher, assassin. Tu aurais dû m'écouter. Attention! Tenez-vous prêts! L'assassin est arrivé! Il faut que je trouve un moyen d'ouvrir les portes. Tu vas mourir, assassin! Tu entends? Tu vas mourir! C'est templier. Des promesses, toujours des promesses. Ce ne sont pas quelques mercenaires qui vont m'effrayer! Méfie-toi! Veux-tu que je fasse parvenir ta dépouille à cette ivrogne de Mario? À quoi bon? Il aura bien trop de mal à te reconnaître! La stratégie n'est pas ton fort! Tu débites des inepties tandis que tes hommes se font massacrer! Je veux bien faire un geste! Voilà ce que je te propose! Si tu pars, je rappelle mes hommes! Pas question! Tu es sur ma liste! Ton sort est scellé! Arrachez-lui tous les membres! Curieuse façon de traiter ses invités! C'est pas possible! Garde! À l'aide! Où est Jacopo? Il sait que tu le cherches. Il ne sortira de l'ombre qu'au moment de rejoindre les autres. Je l'attendrai. Mais dis-moi où. La foi nous apporte toujours l'apaisement. Non, la souffrance. Requiescat in pace. Thank you.
c'est le diable qui rôtit au moment de perdre la vie. Car c'est bien. Et tout de suite, descend. Le voilà. Ah, allez, il va nous semer. Ma che fate? Ce n'est pas une façon de traiter ses amis. Regardez-le! Un vrai casse-cou! Meurs, chien! Merde! Arrêtez-le! Merde! Wow, wow, wow.